Salut les fêlés du gaming, c'est Sebi. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à un jeu qui est sorti il y a exactement 20 ans. Donc c'est un jeu de voiture arcade, très très arcade, qui a été développé par Hitmaker, édité par Sega. Il est d'abord sorti sur arcade en 99. Après il est sorti en 2000 sur Dreamcast. Il a été ensuite édité sur PC, PlayStation 2, GameCube. Il a reçu le label Sega All-Star et il a été porté par la suite sur Xbox 360. Donc ce jeu est aujourd'hui rétro-compatible sur Xbox One. Et je vais jouer à ce jeu sur Xbox One justement. Donc ce jeu a 20 ans. Donc ne jugez pas graphisme, ne jugez pas le gameplay tout simplement. Donc ça me fait très très plaisir d'y rejouer aujourd'hui parce que à l'époque, je me souviens que j'y jouais en salle arcade et que des années plus tard, je l'ai redécouvert. Et franchement, c'est un jeu que j'adore. Donc je vais vous faire découvrir tout ça. Donc on a un mode arcade, un mode original, un mode Crazy Box. Donc là, on va lancer le mode arcade. On va faire 3 minutes. Donc vous avez 4 persos. Donc là on va prendre Billy Joe. Le but du jeu est très très simple. Vous devez faire le maximum de courses dans le temps imparti et faire le meilleur score pour être le meilleur quoi, tout simplement. Donc on s'arrête, on prend quelqu'un et on l'amène jusqu'à la destination. Tout simplement. Donc on peut frôler les véhicules pour gagner des points, on peut faire des conneries comme je viens de faire là. Donc je précise que la sensi elle est horrible. N'oublions pas que c'est un jeu d'arcade. Et que pour l'époque, il n'y avait pas de simulation sur ce genre de jeu. Donc il fait penser un petit peu à un GTA, à un Driver. Mais là c'est vraiment typé arcade. Complètement barré. Alors j'adore la bande son, j'adore les graphismes de l'époque, franchement j'aime bien. Ça rappelle la jeunesse. Je suis pas si vieux que ça, mais les puristes connaîtront. Et ce jeu a 20 ans. A 20 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Donc, essayez d'esquiver. Les civils, c'est pas si évident que ça. Vous allez me dire, ah, mais c'est Bilo, tu joues comme une merde. Mais je vous rassure, le gameplay il est pas d'époque non plus. Alors, à savoir que les quatre personnages n'ont pas trop de qualité ou de choses particulières. C'est selon le feeling, hein, souvent. Par contre, il y a un truc qui est cool, c'est que vous voyez au-dessus des commissions, il y a des dollars orange, rouge, jaune. Et selon les couleurs, eh ben, vous aurez plus ou moins de temps. Alors, la marche arrière. Ok. Selon les clients, vous aurez plus ou moins de temps et plus ou moins de gains. Donc là, c'est vraiment le mode rapide du jeu. Il y a bien sûr d'autres modes. Mais comme le jeu est assez répétitif, je vais pas vous faire tout le gameplay. Alors bah il y a un rouge. Donc on va aller le chercher. On va amener le curé à l'église. Ah, curé vachement cool parce que. Et en plus, il avait pas si loin que ça. Alors apparemment les rouges c'est ceux qui vont le moins loin et les jaunes oranges c'est ceux qui vont le plus loin. Donc les codes couleurs niveau respect zéro. Mais franchement quel plaisir d'y rejouer. Après, on passe pas des sessions de 4 ou 5 heures dessus, hein, pour être honnête, mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui
Voilà, pour se défouler, c'est pas mal quoi. Donc voilà, on va tester un Crazy Box. Ouais, bon, ça c'est un autre truc encore. Bon, bah on va refaire de l'arcade et on va faire 3 minutes encore. On va changer de perso si on nous le propose. Je vais prendre Geno, tiens. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'en servir. Ça que c'est cool. Alors, il n'y a pas de manip pour changer la vue, etc. C'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, pure arcade. À l'époque, c'était un super jeu, quoi. Mais pour moi, ça l'est toujours parce que. Bah, il y a le petit, ce petit côté barré, drôle. Alors là, par contre, je me suis fait. Hop! Alors après, le jeu n'est pas si simple. Pas si simple qu'il y paraît, puisque pour faire le max de score, il faut évidemment prendre les commissions, enfin les missions les plus, celles qui sont plus éloignées, en allant plus vite, en évitant le maximum de véhicules, tout en frôlant pour, bah voilà, pour gagner de l'argent. Quand vous voyez, quand je frôle un véhicule, j'ai les dollars qui tombent. Mais sinon, il n'est pas si évident que ça. La sensi, elle est vraiment horrible. Y rejouer, je vais dire 15 ans après, ça fait bizarre quoi. Vraiment bizarre. Hop. Va falloir que je le propose peut-être en stream de temps en temps. Pour délirer comme ça peut être pas mal. Alors dites-vous, sorti en 99 sur arcade, 2000 sur console, sur Dreamcast. C'était pas si dégueu que ça. Hein. Bon là, bien sûr, je joue à la version remaster. Mais il n'y a pas grande différence comparé au jeu d'origine. Hein. Donc si le jeu vous intéresse, pour ceux qui connaissent, qui veulent redécouvrir, il est dispo sur le store de Microsoft. Le prix, je ne peux pas vous le dire parce que j'ai pas pris le temps. Je sais, c'est pas pro, mais j'ai pas pris le temps de regarder le prix. Mais il a été aussi gratuit pendant un certain temps sur le Gold. Qu'en fait, avec le Gold, vous pouviez l'avoir gratuitement. Là, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de le télécharger à ce moment-là. Et je l'avais gardé, comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que je voulais faire une vidéo sur Crazy Taxi et je savais pas du tout qu'il allait avoir 20 ans. Donc j'ai vu ça sur les réseaux et je me suis dit, ben décidément, j'ai choisi le bon moment. On va essayer de s'activer un petit peu, il reste 20 secondes. Oh, bon, c'est mort. Ah si, quand même, j'ai réussi. Par contre, la prochaine commission, elle va être compliquée. Ouais, 14 secondes, c'est rincé. Encore le même prêtre. Bon, bien sûr, hein, on va avoir tendance à faire les mêmes trajets. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un jeu qui. On peut pas y jouer sur 2 heures ou 3 heures, quoi. Faut vraiment être fêlé et être accro à ce jeu, mais. Donc voilà. Bah écoutez, ça m'a fait super plaisir de vous faire découvrir ce jeu. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Partagez les vidéos si vous trouvez que la chaîne bah est cool. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi des commentaires si vous avez des suggestions de jeux, que je puisse voir si je peux faire des vidéos dessus. Et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!